Préhébissa, une autre île, oui, mais superbe, la Corse. Moi, je me suis pas mis en maillot de bain dans mon sujet comme Johan, hein. Non, désolé. J'étais à Ajaccio, oui, rencontré Alizé. Alors Alizé, bah, toi qui étais à Ibiza, tu connais, qu'est-ce qu'elle chante? Moi, Lolita. Ah, t'es une Lolita? Ah. Non, c'est la chanson. Bah, Alizé, on aurait pu l'appeler une tornade. Elle a vendu 400 000 exemplaires de son single en quelques semaines. Il y a un vrai truc de société derrière elle. Moi, j'ai envie de dire, elle a un peu le magnétisme de Vanessa Paradis, la fougue, elle est, allons-y, hein, de Lara Fabian, et la discrétion de Mylène Farmer. Vous voyez pourquoi je dis ça? Oui, très bien. J'ai bien compris. C'est elle, c'est Mylène qui s'occupe de la carrière de notre Lolita. On regarde les images. Allez, nous sommes en Corse, merci. Regardez. Je m'appelle Lolita, Lolo ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Lolita, c'est une jeune fille, une adolescente qui plaît aux garçons, mais beaucoup plus âgée. Et Alizé, c'est une Lolita ou pas? On peut dire ça comme ça. Non seulement Alizé plaît aux garçons, mais aussi au public. Dès sa première apparition en télé, elle envoûte Laurent Boutonnat, le producteur de Mylène Farmer. Une seule rencontre avec la star et la vie d'Alizé va être bouleversée. Mais que s'est-il passé entre Mylène et Alizé? Joker. Pourquoi Joker? Joker. Nous n'en saurons donc pas plus. Tout laisse à penser que la secrète et discrète Mylène a trouvé en Alizé son alter ego. Mais elle n'en est pas à sa première rencontre ou premier coup de chance. Souvenez-vous, cet avion s'appelle Alizé et ce n'est pas un hasard. À 11 ans, j'ai gagné un concours de dessin. Mon dessin a été reproduit sur un vrai avion qui s'appelle maintenant Alizé. On peut dire que j'ai une bonne étoile qui va sur moi. Tout semble donc sourire à cette jeune Lolita. Elle est née ici à Ajaccio et c'est dans la vieille ville qu'elle aime se balader avec Johan, son petit frère de 11 ans. En dépit de son jeune âge, elle tient à préserver sa famille. C'est pour elle un jardin secret. Je préfère rester réservée plutôt que de montrer ma famille. C'est plus, c'est intime pour moi. Je préfère garder pour moi. Le péché mignon d'Alizé, c'est la comédie musicale. Depuis l'âge de 7 ans, elle pratique la semaine la danse moderne et le flamenco, prend des cours de théâtre et le week-end, elle chante. À 16 ans, Alizé est déjà une vraie petite pro. On peut la refaire? Je vais à fond dans tout ce que je fais. Je m'arrête jamais sur le chemin. Le résultat est là, plusieurs centaines de milliers de disques vendus. Alors même si elle prépare déjà un album avec Mylène Farmer, c'est avant tout une jeune ado. Elle rentre en seconde scientifique, danse toujours avec ses copines et bien sûr adore les fringues. Qu'est-ce qui a changé? Les personnes ne me regardent plus de la même manière. En ville, tout le monde me reconnaît. Tout le monde dit oui, c'est la chanteuse. C'est tout. Ça te plaît ça? Ouais. Ah ouais? Ça me plaît, ouais, je signe des autographes, ça me fait rire. Je pense à l'avenir, à plein de choses que j'aimerais faire. Tu vois comment l'avenir? Je préfère pas le dire parce que je suis superstitieuse. Ouais. Je préfère le garder pour moi. Mais tu y crois? Mais j'y crois quand même. Ouais. La voici, Alizé, moi, Lolita. Lolita, collée aux étoiles.
Merci Alizée. Moi, Lolita.